Prenez trois équipes de pêcheuses et mettez-les au défi dans l'une des plus belles pourvoiries du Québec. Vous obtiendrez de superbes poissons, des poses de pêche sexy et, comme avec les gars, une bonne dose de niaiserie. Allez, bébé, là! Bienvenue au tout premier défi des régions 100% féminin. Le défi des régions est une présentation de votre centre du sport Lac-Saint-Jean, de Hyundai du Royaume, des leurs malades de pêche, du délicieux gin Canopé et le magazine Aventure Chasse et Pêche. Nous sommes en Mauricie et nos équipes viennent d'arriver à l'embarcadère du Lac-Édouard et montent à bord du ponton qui les transportera en tout confort jusqu'à la prestigieuse Seigneurie du Triton. Sur place, elles seront traitées aux petits oignons dans un hébergement luxueux et authentique, sans oublier une table digne des plus grands restaurants. Salut. Nos pêcheuses sont accueillies par la maîtresse des lieux, Madame Annie Tremblay. Je suis bien heureuse de vous avoir ici au Triton. Fondée en 1978, cet ancien club privé américain a reçu d'illustres personnalités telles que les présidents américains Theodore Roosevelt, Winston Churchill, premier ministre britannique et bien d'autres personnalités encore. Tout se passe très bien, jusqu'à ce que notre hôte raconte qu'il n'y a pas si longtemps... C'était vraiment réservé que pour les messieurs. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais avec les grosses robes qu'il y avait, Corinne, ne pouvait pas embarquer dans un chalot. Ah, ben non, mais je serais allée tout nu. Mais aujourd'hui, watch out! Les femmes prennent le contrôle. Linda s'assoit dans la chaise du président américain Theodore Roosevelt, tandis que Corinne et José s'attaquent au bord. Dans vos dents, les machos! Allons maintenant rejoindre notre gentleman préféré, Martin Pêcheur, pour les présentations officielles. Défi des régions 100% féminin. Êtes-vous prêtes, les filles? Ça s'annonce vraiment très, très bien. Équipe Roulotte Chaudière SST 2006. Avez-vous des chances de gagner, les filles? La bonne question, c'est avons-nous des chances de perdre? Pas vraiment. Je pense pas. En tout cas, mais là, je veux pas te dire quoi nous demander, là, mais on va te donner un coup de main. SST 2006! Roulotte Chaudière, ici pour la victoire! Notre première équipe est composée de José Bédard et Corinne Tremblay. Ces deux complices de pêche ont plus d'un tour dans leur sac et ont d'excellentes chances de l'emporter. José est propriétaire de Roulotte Chaudière, le leader dans le marché des véhicules récréatifs dans l'Est du Québec, la plus grande salle de montre en Amérique, le plus grand inventaire de pièces au Canada, un vaste choix d'accessoires pour la VR et le camping, sans oublier un atelier de service permettant d'accueillir 13 véhicules à la fois. Roulotte Chaudière, on s'attache à vous. SST 2006! Go Corinne! Corinne représente SST 2006, une entreprise spécialisée en travaux industriels en tout genre. SST 2006 bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Et en parlant de bons employés heureux et comblés, SST 2006 en cherche justement. Et quoi de mieux qu'un témoignage pour convaincre? À l'embauche, SST 2006, depuis 10 ans, j'avais seulement une amoureuse, pas d'enfant. Maintenant, j'ai deux enfants. La priorité chez SST 2006, c'est la conciliation famille-travail. Hey. Merci. Wow, t'es mon meilleur. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour la belle Corinne? Comment ça va se passer dans le bateau, les filles? Elle exécute. C'est ça. La pêche pour Corinne, c'est une science. Température de l'eau, si lentement c'est correct. J'ai jamais vu ça. Et sur 100, quelles sont vos chances de l'emporter? 90. Ouais, le temps de connaître l'adversaire et tout ça, là, mais... Oh, je te dirais, Corinne, 90. Un bon 98 %. Il ne restera pas grand-chose, en tout cas. Il ne restera pas grand-chose pour l'adversaire. Il ne faut quand même pas les humilier, Josébé. Non, on va faire ça en douceur. Et ça, on n'en passera même pas. Oh boy! Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir avec ces deux-là. Équipe ProGyps, Beauce, restaurant les 400 coups. Oui. Avez-vous des chances de gagner, les filles? On est venus pour ça. Deux truites comme nous autres, on est capable d'empoigner. Non, on coupe, s'il vous Linda n'a pas la langue dans sa poche et c'est loin d'être une truite. Femme d'affaires dans l'âme, elle est propriétaire du 400 coups, un resto bistrot réputé de Saguenay, capable d'accueillir jusqu'à 250 personnes. Restaurant, bar, salle de réception et salle de spectacle renommée, le 400 coups est un incontournable à Saguenay.
Pêcheuse et chasseuse aguerrie, Esther représente Pro Gyps Beauce, une équipe de beaucerons qui a du cœur au ventre. Leur mission, exécuter un travail professionnel de qualité supérieure tout en respectant les échéanciers. Et Esther, ton beauceron préféré, un petit message pour toi. Dans le temps qu'on travaille, les filles s'amusent à la pêche, eux autres. T'es mieux de faire ça comme il faut, Esther. Inquiète-toi pas, François. Esther, elle veut gagner. J'aimerais bien ça être au top one. Avez-vous une faiblesse, les filles? Mon Dieu, Seigneur, c'est moi. Ça fait quand même 15 ans qu'elle n'a pas pêché, fait que peut-être qu'elle va avoir la chance de la débutante. Je vous le souhaite, les filles. Cri d'équipe! Pro Gyps 400! Pro Gyps 400! Pro Gyps 400! Go, go, go! Équipe résidence du vieux presbytère, série Saint-Elzéar. Les filles, j'ai entendu dire que vous aviez une arme secrète. Quelque chose que nos amis à ma droite n'ont pas, c'est qu'on va avoir un troisième membre qui va faire partie de notre équipe. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais on va être trois, donc... OK, yes! Oh, yeah! Voici Isabelle Boucher, une fille de Matane qui représente la randonnée des Demoiselles de l'Est, un organisme charitable du Bas-Saint-Laurent composé de femmes qui s'impliquent sans compter. L'an dernier seulement, c'est plus de 40 000 $ qui ont été amassés via leur randonnée annuelle de motoneige. Isabelle est une vraie femme de bois. J'ai une mordue de la pêche, de la chasse, la nature, c'est moi. Jeannette est également une passionnée de pêche. Initiée toute jeune par sa grand-mère, elle a bien l'intention de lui faire honneur. Jeannette est propriétaire de la résidence du Vieux Presbytère, une résidence pour personnes âgées située à Saint-Adelphe qui respire le bonheur et la quiétude d'un vrai foyer. Notre dernière participante est une authentique Gaspésienne. Nathalie travaille et représente fièrement la Syrie de Saint-Elzéar. Syrie Saint-Elzéar, résidence du Vieux Presbytère, les Demoiselles de l'Est, 100% féminin. Wouhou! Défi des régions 100% féminin. Bonne chance, les filles! Nos équipes de filles sont en feu. Es-tu prête, mon ami? Yes. Oh, oui! Oui! Bon, trip! Premier matin, quand je me suis levée, j'étais vraiment crinquée. On veut tout gagner. Un matin, on s'est levé. Moi, j'étais ses nerfs. Un matin, là, oui. Sérieux, là, j'étais ses nerfs. Là, je me dépêchais. On a beau se faire des stratégies, tu sais, du tonnerre la veille. On a passé du temps. Hey, on va essayer de... Ça va-tu fonctionner? On le sait pas. 100% femme. Attention, on arrive. Yeah! Le ponton est prêt à partir vers le lac Espérance, mais une équipe se fait attendre. Woo-hoo! Bon, livre là. Moi, ce matin, quand je me suis réveillée, le plan de match était de me faire les cheveux. Parce que je me suis dit, c'est pas parce que t'es à pêche, t'es obligé de pas avoir d'allumé. Ouais, hey. J'ai l'air de chance, mon ami? Ouais. C'est parce que. C'est parce qu'on va pêcher qu'on va oublier nos bases. Le poisson, il aime ça. Ouais. Un gros poisson. Oui! On arrête les filles! Nos équipes sont en route et Linda espère bien profiter de la nature qui s'offre à elle. Regarde, c'est beau. Hey, ça n'a pas de sens. Magnifique. C'est tellement longtemps que j'ai pas vécu ça, là. Mais pour Corinne et José, la compétition est déjà commencée. OK, bien, ce matin, nous, quand on est partis, on s'est aperçu que les pêcheuses protégeaient pas leur verre. Fait que José B m'a dit, hey, franchement, c'est pas fort. Un volé vert à quelqu'un? Non, c'est pas, on les a pas volés, là. Arrête, c'est pas un beau mot. On les a juste... Protégé. Oui, protégé. Ouais, parce qu'il était comme garoché. Puis on s'est dit, hey, t'as peur. Ouais, faut protéger. Qu'on a pris leur verre, puis on les a serrés dans notre. Puis en cours de route, on a oublié de redonner les verres aux filles. Hey, on se sentait vraiment mal. Là. Assez qu'on leur a pas encore dit. Coudon, c'est ça. C'est game. Ils sont très bien cachés en plus. Je les ai mis autour du champagne. Tu protèges tes patentes, ben tu manges la colle. Les petites démones. Et t'es mon ami. Le gin forestier canopé, à la pêche, ou simplement au bord de l'eau. Le gin forestier canopé, la nature québécoise à son meilleur. Tu cherches la meilleure place pour ton nouveau bateau? Le Centre du sport Lac-Saint-Jean a celui qu'il te faut. Les meilleurs conseils, de l'équipement à la fine pointe, Garmin, Hummingbird et Minn Kota, du poisson, tu vas en prendre. Oh!
double champion du défi des régions, Mathieu et son équipe connaissent la pêche. Au Centre du sport Lac-Saint-Jean, on n'est pas pire à la pêche, mais on est encore meilleur en magasin parce qu'au Centre du sport Lac-Saint-Jean... Un choix intelligent! Du 10 janvier au 31 juillet 2022, courez la chance de gagner 5 000 $ de l'heure de pêche Malade de pêche. Deux façons de participer. Faites un achat sur la boutique en ligne des Malades de pêche ou achetez un produit Malade de pêche chez l'un de leurs détaillants. Oh, il est beau! À droite complètement, à droite du lac. Nos équipes viennent tout juste d'arriver au lac Espérance et le chef guide de la Seigneurie du Triton y va de ses précieux conseils. Ouais, le guide il nous avait vraiment expliqué où aller. Des questions? Non, Charles. Si vous avez des questions, je vais être sur le lac pour y répondre. On se prépare à partir. On a oublié vert, hein? Je sais bien pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave, on a eu des bonnes collègues. Des bonnes collègues. La bonté incarnée. Qui ont été gentils avec nous. Vraiment, vraiment. Fait qu'ils ont séparé leurs verres et nous ont donné les verres parce que... Écoute, on a besoin de... On vous donne tous nos verres. Il y a rien qu'on fait pour vous autres. Et Jeannette est impressionnée devant tant de générosité. Tu aurais pu juste nous dire, tant pis. Moi, ouais, ouais. Non. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. S'il y a des gens dans le groupe qui ont des besoins quelconques, on est là. On va partager notre savoir. S'il faut étirer nos verres, on va les étirer. Ouais, hein, Corinne? Absolument, ça s'étire. Ouais. Bienvenue au Défi des régions! On est prêtes, vraiment, nous autres. 100% féminin, go! Nos équipes sont sur la ligne de départ et c'est maintenant le temps des règlements! Nos équipes auront seulement 3 heures de pêche. Seules les 3 premières tweets seront comptabilisées. 1 once égale 1 point. Point bonus. 5 points bonus pour la première tweet, mais celle-ci devra être une femelle. On est concept ou on l'est pas pantoute. 5 points bonus pour la plus grosse. 5 points bonus pour l'équipe qui atteindra 3 truites en premier et une de plus pour notre équipe de 3 personnes. La conséquence, l'équipe qui terminera en dernière position devra faire le service demain matin à la cabane à poissons. 1, 2, 3, partez! Oui! J'ai quasiment pissé. À quoi on pense, les filles? Plus vite arrivé, là, hein? Plus vite en bas. Et toi, Corinne? On pousse la fille de ma tante. Attends, et toi, Linda, à quoi tu penses? À pas tomber. Linda est pas pressée. Mais non, de toute façon, j'ai pas le temps d'avoir une jambe dans le plat. Nathalie en bas. L'équipe de Jeannette est la première à démarrer. Je possède un moteur 2.5. Ça a été 1, 2, 3. Pour José et Corinne, c'est un peu plus compliqué. Quelqu'un qui est venu enlever mon affaire rouge. Non. Les filles? Les petites garces. Les filles, mon affaire rouge est où? Je me suis aperçue que là, ma petite affaire rouge était partie. Alors là, j'ai dit, il y a quelqu'un qui me joue un tour. Étant donné que moi, ben, j'avais joué un tour, là, je pensais que c'était les filles qui m'avaient fait ça. Mes petites garces. Quelle affaire rouge? Ça vous ressemble en plus avec votre petit sourire de coquine. Josébé, attends, j'ai ce qu'il faut. Fait que là, on était mal pris. Là, Corinne m'a sorti une petite taille-rate. On a entouré ça autour. Parti mon moteur, on est parti avec ça. C'est correct? Hé! 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 Penses-tu qu'on n'est pas des brouillardes? Et vous autres, équipe Pro Gyps 400 coups, ça roule? Oh, putain, j'étais en train de me mouiller et le CUL. Ça y est, notre troisième équipe est partie à la recherche de la première truite femelle. C'est que, ben, ça, les filles. On va sortir la première. Quel crime que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais pas si on me reconnaît, les verts. Ça... Oh, parce que moi, sonore. Ouais, je check mon sonore, ça sera pas long. Check tes profondeurs, check ton poisson, ouais. Dis-moi si t'en vois. Excuse-moi, Corinne, mais me semble que le guide vous a conseillé de mettre juste un petit bout de verre. Tiens, Josébé. Au niveau du verre, si on veut pas un long verre là, qui dépasse... Parce que moi, je pensais qu'il riait nous autres. Je disais, hey, sérieux, il veut nous jouer dans la tête, il veut pas... Hey, arrête. Quelle femelle qui veut un petit bout de verre? Arrête, là. Parce que moi, les femelles aiment mieux les plus gros verres. Moi, j'ai mis un gros verre. Ça sent. Ça se dit-tu, ça? Tu le couperas au montage. Ouais, ben les gars, tenez-vous le pour dit. Les femelles préfèrent les gros verres. T'es prête? Voilà qui est dit. Du 10 janvier au 31 juillet 2022,
courez la chance de gagner 5000 $ de l'heure de pêche Malade de pêche. Deux façons de participer. Faites un achat sur la boutique en ligne des Malades de pêche ou achetez un produit Malade de pêche chez l'un de leurs détaillants. Oh, il est beau! À deux pas de la route nationale, le centre de villégiature Marina Chibougamo vous offre une nature aussi généreuse qu'accessible. Nos luxueux chalets offrent tous les services dans un confort qui comblera vos attentes. Le centre de villégiature Marina Chibougamo met à votre disposition une rampe de mise à l'eau, un quai sécuritaire ainsi qu'une foule d'activités. En camping, en chalet ou dans notre spacieuse salle de réception avec vue, le centre de villégiature Marina Chibougamo saura vous séduire en toute saison. Premier défi, capturer la première truite femelle. T'envoies? Comme ça, allô? J'envoie deux ici. Elle est pas mal descendue. Vous êtes pas mal proche de nous autres. Nos filles veulent toutes le premier 5 points bonus, mais le karma semble rattraper Corinne et José. J'envoie deux. Oh, tabard. Ils m'ont enlevé ma cuillère, Jo. OK, il y en a des petites bitches, là. On a des petites bitches dans la place. J'aurais même pas dû les en laisser un cadavre. Tous les coups sont permis. Toujours pas de touche? Non, j'ai pas de touche encore. Le verre a pas été touché. Même pas liché. Ça te fait de quoi? Non. Trouvé? Non. Hé, hey, ça mord, Joe! Man, ça y est, j'ai une truite! Gaga. Ting, 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 ting. Où t'as ma petite pitoune? Viens goûter, maman. Oh, c'était bizarre, ça. Elle mordait comme une truite femelle. Je peux pas confirmer, puisque la dite truite est restée dans le lac. Ça a mordu, puis ça me fâche. Je vais être obligée d'aller voir ma patente. Du côté d'Esther et Linda... Ça, je commence à être... C'est plutôt tranquille. Fait que, on s'est dirigé vers les endroits stratégiques que le guide nous avait indiqués. Dans le développé. Ouais, pas trop loin. Tout ce qu'elle montrait tantôt. Suivre les conseils du guide, c'est souvent payant. C'est ce qui va, on s'assied-tu ici? On s'assied. Je regarde, Esther, là, et tu as l'air si calme. Comme un petit canard. À l'extérieur, j'ai de l'air détaché de ça, mais en dedans de moi, je veux gagner. Ça, c'est clair. Ça va être là. Le guide qui était avec nous nous a comme dit « Ah, là, ça saute beaucoup. » Fait que là, on s'est enligné en avant du quai, sous le bord. Yes! Oh yes! Fish! Yes! OK, on tient la chose, on arrête le... OK? Arrête le moteur, s'il vous plaît. Doucement. Donc, allez voir, là, ils n'ont pêché une, c'est clair. Ah oui? C'est pas. Mais tu sais, c'est vrai que ça sautait là-bas, mais regarde. Il y en a deux qui commencent à s'inquiéter. OK. Tabarnouche. C'est un peu fâché, j'ai dit. Et tabarnouche. J'ai quand même bien fait ça. Mais j'y ai pensé en maudit. Tabarnouche. C'est vrai que c'est choquant. On l'a échappé avant qu'elle embarque dans le bateau. Les filles sont encore. C'est clair qu'ils vont avoir tout le petit poisson, hein, c'est sûr. Le petit méné sur le bord. Ils sont peut-être juste un petit peu plus patientes que nous autres. Ça se peut. En fait, ça passe, les filles, ou on. On a vu Jonathan, le guide. Il nous a fait signe. Venez-vous-en. Il veut qu'on le suive. On va le suivre. Fait que là, on est arrivé à côté. Trois belles truites. On le suit. Alors, on suit le guide. Il nous a amenés à un endroit vraiment payant pour nous. J'en connais trois qui sont dans le spot. OK, on va mettre l'ancre, là. Les autres, ils sont ancrés, là. Regarde ça. Ça vient de sauter de là. Si on serait stratégique, on s'en irait à côté d'eux autres. Esther et Linda, vous avez l'air à deux touristes. Oui. Fiche. OK. Ça a l'air d'une belle. Je savais que j'avais quelque chose de pas pire au bout de la ligne. Il fallait surtout pas l'échapper. T'as peur, il est pas tout de suite. Yes! Les quatre fers en l'air, le derrière dans trois pouces d'eau, c'était pas grave. On avait notre truite là. Non, mais regardez ça! Bravo, les filles! J'ai l'impression que ça commence à mordre. Ah, José, tu me niaises. Nini, tape. On va le laisser bien. On va le laisser mordre comme faut, là. Ah, je l'ai, Jo, là. Oui, je l'ai. Arrête-moi ça. Bon, ben là, c'est peut-être pas le premier, mais... On perdra pas toutes les honneurs. Parlez pas trop vite, elle est pas encore dans la chaloupe! Ils décrochent pas nos truites, nous autres, on sait comment poigner le poisson.
Ils avalent tout. Non! Parle bien de pêche, là! Ça crie dans ce bateau-là! Ben, nous autres, écoute, on suit les consignes. On nous a dit, criez votre vie quand vous allez pogner la première femelle. On a crié notre vie. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une femelle, au juste? Elle avait tout pour elle. Toute une femelle. Elle avait tout pour elle. Ventre blanc. Petite bouche ronde, pas de crochet. Et on avait la première femelle. Moi, je suis certaine que c'est une femelle. On a deux équipes qui espèrent avoir la première femelle. Une belle femelle? Hey, comment pensez-vous que ça va pour les autres équipes, pour Gyps Restaurant le 400 coups? Ça a l'air à bien aller parce qu'on les entend crier, puis écoute, d'après moi, ça mord. Ça fait pas longtemps, par exemple, mais je pense que là, ça commence. Bien heureuse pour eux. On est peut-être dans l'heure. J'ai exactement la même impression qu'Esther. Le gin forestier canopé. En randonnée. Entre amis ou seul avec la nature. Le gin forestier canopé. La nature québécoise à son meilleur. Tu cherches une place pour prendre du gros doré? Oh, yeah. La pourvoirie du Rapid 7 est le choix numéro 1 du défi des régions. Pourvoirie Rapid 7? Située au bord du majestueux réservoir de sel, la pourvoirie du Rapid 7 offre une qualité d'hébergement exceptionnelle avec de superbes chalets en bois rond et son camping aménagé. Rampe de mise à l'eau pour ton bateau ou location d'embarcation, ajuste bien ton moulinet car c'est à la pourvoirie du Rapid 7 que ton trophée t'attend. On est bien! Pour Gyps 400 coups ont leur première truite. Les dames de l'Est, Siri Saint-Elzéar, résidence du vieux presbytère, se font confirmer qu'ils ont la première femelle. J'en doutais un petit peu, mais... Et SST 2006 rouleau de chaudière continue leur mauvais coup. On fait craindre sa mort encore d'abeille. Hop! Là, on a dit, oh non, tabarnouche, ils nous rattrapent, puis on en pogné. Ouais. On va leur montrer le même poisson. Non! Tout ça avec trois verres de taille! Eh, maudit! Disons que on avait une petite pression. On sait qu'on peut très bien pêcher du cili dans ce lac-là. C'est de l'air que ça trôle pas bien à trois d'une jaloupe! C'est pas reposant, hein? Esther en a une autre! Et oui, toi, depuis que t'as changé ton affaire... Elle est en feu! Pas le temps de niaiser, il reste 45 minutes. Dans ma tête à moi, j'étais parti pour la victoire. Ça, c'est clair. L'équipe Pro Gyps, le 400 coups, prend les devants. Ça va bien. Toc, toc. En 5 minutes. Champion. C'est sûr que ça va faire toc, toc, toc après dans ma tête. En moins de 5 minutes, toc, toc. Il en reste une à prendre. Fait qu'à ouais, let's go, on se met là-dessus, Linda. Je passe avec le bébé. Yes, c'est fait. Yes. Bon. Elle est belle. Ça la met maintenant. Qui mettra la main sur le 5 points bonus pour la limite? Poisson fake. Ouais, ben là, elle me suit. Fait que c'est une grosse. Ou bien, elle est sacrée le camp, mais non, elle est encore là. Je pense qu'elle est pas pire. J'en ai une. J'en ai une. Esther en a une troisième. Oh yeah. Oui. On nappe ça. Je reste là. Nappe. Il échappe pas ça, bâtard. Elle est plus grosse que l'autre. Oh, sweet. Jeannette est concentrée. Nap. Oui! Yes, sir! Woo-hoo-hoo! C'est l'avant-dernière pour notre équipe de trois. C'est mon ami. C'est beau, mon ami! Plus qu'une truite à capturer pour Corinne et José. Est-ce que Pro Gyps 400 coups mettra la main sur le bonus? Oui, ah non. Non! Ben, c'est pas grave. C'est pas fini. Ouais, on va le laisser pour les autres. Tant que c'est pas fini. On a dû tirer par la marée. Plus que 15 minutes. Hey, on a gagné. On a trois. On a nos trois poissons, c'est fini. Je l'ai échappé. La gueule de la paix. Tu me portes tes poisses. Isabelle en a une et elle prend son temps. Je veux pas trop tirer parce que là... Oh là là! On s'est décroché dans le filet! Nous autres, par exemple, ça en prenait quatre. Go pour la quatrième. Lâchez pas, les filles. Il reste 10 minutes. J'ai jamais vu ça. Au moins, d'habitude, j'en pogne au moins une au bout d'une heure. Bon,
Josée a peut-être la troisième. Je l'ai, là. Tu l'as vu, vrai? Oui. Au revoir. On t'en a demandé. Tu as hâte de l'instant magique. Seigneur. Jo, c'est quoi? Quoi? Elle est belle. Oui! Hey, elle est belle, elle est grosse! Elle est grosse en plus, elle est plus grosse! Et on a reconnu le cri. Ben oui. SST 2006, roulette chaudière, on est dit pour la victoire! On est comme des bobés. Quand on a fini nos trois truites, ben là, on a tout de suite rentré nos lignes. Puis là, ben, on s'est procuré. Non, pas du tout. Ah, on a juste dit qu'on avait fini. C'est dans la vie, c'est ça, des gagnants, des perdants. Puis il y a du monde dans le milieu. Comment ça m'énerve? Bon, les filles, on va aller les encourager. Écoutez! Oups, voilà! On n'a pas dit notre dernier mot, là. Attendez, vous allez voir. Ceux qui aiment pêcher du gros poisson, tape des mains. Ceux qui aiment pêcher du gros poisson, tape des mains. Ceux qui aiment pêcher du gros poisson, ceux qui aiment pêcher. On en a deux qui sont plus capables. Non, mais... Est-ce que quelqu'un peut faire on va se le dire. On va se le dire. Elle n'arrêtait pas du tout, du tout. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. T'as tout petit bonne, celle-là? Y a-tu quelqu'un qui peut y donner de quoi à manger quand elle se ferme la gueule? Ton calvaire est fini, Esther. Parce que c'est l'heure. Des résultats! Débutons par l'équipe Pro Gyps Restaurant Les 400 Coups. Linda a renoué avec les plaisirs de la pêche. Il y a eu des hauts et des bas. Tu as hâte de l'instant magique? Elles ont passé bien près de mettre la main sur le 5 points bonus pour la limite. Mais chose certaine, elles demeurent confiantes pour demain. Ben, on est troisième, pareil. C'est troisième position, aux Jeux Olympiques. Demain, on va mettre le paquet. Ouais, on met le paquet demain, là. Pro-Gyps 400! Pro-Gyps 400! Go, go, go! On continue avec... SST 2006, roulotte chaudière, ici pour la victoire! Nos deux démons ont commencé la compétition rapidement avec un mauvais coup, mais le karma s'est vite chargé de leur faire payer. Si, mon affaire rouge est où? Mais se sont mérités le 5 points bonus pour la limite la plus rapide, ce qui leur a permis de s'amuser aux dépens d'Esther et Linda. Comment ça m'énerve? Plan de match pour la finale, les filles! Demain, on va être encore de bons humains, mais on va être beaucoup plus agressifs. Un bon souper ce soir, puis demain, on va être prêtes pour gagner le défi des régions. SST 2006, pour le chatière, ici pour la victoire! On enchaîne avec équipe Siri Saint-Elzéar, les Demoiselles de l'Est et résidence du Vieux Presbytère ont suivi les conseils du guide et ça a payé. En plus de mettre la main sur la première femelle, elles ont capturé ensuite la plus grosse truite de la journée. Mais avant de vous demander votre plan de match pour la finale, faut que je vous dise quelque chose. Vous savez, là, les verres. Vous les aviez pas oubliés. C'était-tu un joke, ça? C'était-tu... Oui? Ben... Oh, mes torpinouches! On va s'en reprendre! Elle pouvait bien nous avoir donné une boîte de vin. Plan de match pour la finale, les filles! Faut s'en venger, ça, c'est sûr. On garde notre avance, on s'en va là pour gagner. Yes. Et voilà. 100% féminin! Wouhou! Watch out! On va avoir toute une finale! Mais pour ce soir, nos équipes vont enterrer la hache de guerre avec un bon souper 5 services et pour terminer, un petit gin canopé. Profitez bien de la Seigneurie du Triton, les filles, parce que demain, c'est la finale et c'est là qu'on va savoir qui sera l'équipe championne du Défi des Régions 100% féminin! À la semaine prochaine, la gang!